tout le monde, ça fait très longtemps qu'on n'a pas refait un vlog. Aujourd'hui on part avec Onibi en direction du bootcamp à Cologne et c'est parti, je vous montre ça la route. Ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas fait de vlog. Alors celui-là sera un petit parce qu'on est au bootcamp de CGN à Cologne. On se prépare avec la nouvelle équipe qui va être annoncée. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore l'annonce. Mais dès que la vidéo sort, vous savez qui sont les 5 joueurs, dont mon frère bien évidemment. Donc on se prépare parce qu'on a plusieurs tournois qui arrivent en cette fin d'année. On a la off-season du VRL Dart, on a d'autres tournois, le Red Bull, etc. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Donc là c'est un petit entraînement ensemble et aussi on va faire les vidéos d'annonce, etc. Que vous avez vu forcément sur Twitter. On va commencer dès demain à faire du strat talk. On va y aller tout doucement, puis après on va commencer à scrim. Ça va pas être un gros vlog, hein. Ce sera un petit vlog celui-là. Par contre le prochain vlog sera la Lyon Sport en mi-novembre et celui-là il est ouf. Allez, ciao les potes. Coucou tout le monde, on est sur la deuxième journée du bootcamp. Là ça va être une journée très chill et media day. Donc là, comme j'avais dit, on va faire l'annonce pour Onibi. Du coup on a déplacé les meubles pour pouvoir avoir un fond noir et commencer le media day qui va durer jusqu'à 16h. Et ensuite on part en mode chill, on va sûrement jouer à des jeux fun ou quoi. Je vous tiens juste après au courant de comment va se dérouler le bootcamp. On a fait des courses pour le breakfast, pour faire des sandwichs l'après-midi qu'on n'a pas trop le temps avec les scrims. Ça va durer pour 5 jours, donc on va faire 2 fois les courses. Donc là, on a beaucoup de pain. On a énormément de choses. Donc du coup, le bootcamp se déroulera entre du 29 au 11 octobre. On partira soit le 11 soit le 12, je sais plus trop. On a d'ailleurs 2 matchs que vous avez vu forcément, comme le vlog est sorti beaucoup plus tard. Donc on a 2 matchs qu'on va faire des VRL Dart off-season. On va le faire ici. Donc là c'est notre deuxième journée, c'est la journée media day comme vous avez vu, et demain on attaque le premier jour de scrim. On a fait des courses pour à peu près 5 jours avec beaucoup de fruits, légumes, yaourts, plein de choses pour tenir. Des fois on ira manger le soir en team dinner, des fois on ira manger chacun de son côté, ça dépend. On prépare aussi le streaming, vous avez vu aussi. D'ailleurs Zuri fait son tout premier stream, Tarki et Onibi ont commencé à préparer leur stream, moi aussi. Donc j'ai déjà tout setup sur le PC. D'ailleurs comme vous avez pu voir sur les PC, donc on est sur des PC XMG. Parce que c'est notre sponsor de l'Orga. On a des 3080 avec des Ryzen, donc des PC assez récents. Non, il n'y a aucun problème. On a du 240Hz AOC. Tout est parfait. Pareil pour la connexion internet. Hein. On a une très bonne connexion internet. Aussi, donc le bootcamp se situe dans une université. L'avantage des universités, c'est qu'on a un gros parking.
Donc du coup on est assez tranquille. Le soir il n'y a plus personne, c'est calme. Là je peux ouvrir par exemple, on a le couloir que vous avez vu. Donc le couloir de l'université. Là le soir c'est calme. On a aussi une poubelle qui est changée tous les jours. C'est des petits détails, mais c'est des détails très importants. Je crois que je vous ai tout dit pour le bootcamp. Je vous laisse pour cette partie. On se retrouve demain pour les premiers practices. À demain. Ciao. Ouh, c'est tout le monde. Troisième jour, début d'escrime. On est parti. On va faire 4 heures aujourd'hui. Petite journée pour démarrer. Après, je pense qu'on va faire 5 voire 6 heures. Parce que là, on a encore demain pour s'entraîner. Et après, on a notre premier match contre Wave. Donc un peu beaucoup d'enchaînement. Bah on a une petite cuisine qui je crois que c'est pour les profs ou quoi. Et là on s'est fait une petite lasagne. Donc il y a des soirs comme ça on va se faire pizza, lasagne, on fera d'autres choses forcément. Des fois on ira au resto comme j'ai dit. Et du coup bah c'est tout pour nous parce que bah, là on est le soir. Là on a une salle de classe. On va manger tranquillement. Là on a ces petits avantages, c'est assez sympa. Et, du coup là on a fait 6 heures de scrim. Ça doit être un peu vu sur ma tête, on est un peu, j'ai un peu claqué là. Du coup on mange, on va chill un peu et demain on repart sur une deuxième journée d'entraînement, la dernière avant notre premier match. Dernière journée de scrim, demain on a match à 19h, donc on va dormir tard, on va se réveiller tard. Ça s'est plutôt bien passé, on a battu des grosses équipes, on n'a pas perdu un scrim depuis qu'on est arrivé. On a juste des petits problèmes de freeze sur deux PC je crois, donc on va essayer de régler. Là à partir de demain vous allez voir un peu comment un joueur se met en condition pour le match. Donc c'est à dire que comme le match est à 19h, on va se coucher tard, on va se réveiller tard. On va prendre notre temps, on va bien manger tranquillement quelque part je pense, on va manger ensemble. Et on va commencer la journée à 14h. Donc vous allez voir ça maintenant. Jour de match. Actuellement 18h20. On est des vrais salons, on est en train de télécharger le patch. Parce qu'on joue sur des patchs tournament. C'est en gros un patch où on a un compte spécifique. Et on a tout débloqué. C'est-à-dire qu'on a full monnaie. Enfin tous les skins sont débloqués je crois. Et après tu peux faire des améliorations. C'est pour ça que vous voyez des joueurs avec beaucoup de couteaux, avec des gun buddy champions, etc. Parce qu'on a ce mode de tournoi qui est tout débloqué en fait. On reste quoi 40 minutes avant le match. Donc là on va commencer à setup parce qu'il n'y a pas de settings. Il faut mettre notre résolution, notre crosshair, notre sensitivity. Aussi exceptionnellement, Benny n'est pas ici. Benny est chez lui parce qu'il joue avec des écouteurs. Sachant qu'ici il y a beaucoup de bruit. Et que c'est un match off-y donc c'est très important. Il sera chez lui. Voilà, on se voit au match. Ciao. Putain. It's all about you. Stay down. One enemy remaining. Spike down. One enemy remaining. One enemy remaining. It's all about humanity. Win. It's all about humanity.
Première map remportée, 13-5 contre Wave. On passe sur la deuxième, c'est du best of 2, j'avais oublié de le souligner. Du coup, là on fait une deuxième map, qu'on gagne ou qu'on perd, ça change rien. Donc en fait, plus tu gagnes de map, plus tu gagnes de points. Et là on passe sur Pearl. Finito, 2-0 du coup. 13-11 par contre, c'était un peu plus chaud. On a fait pas mal d'erreurs au niveau des positionnements. On a mal défendu les BP, je pense. En attaque, on a fait beaucoup d'erreurs aussi. On a mal contrôlé la map, surtout dans le mid. Mais bon, ça faisait longtemps, on n'avait pas joué Pearl. On choisissait entre Pearl ou Ascent. Et comme Pearl, c'est une nouvelle map. Prochain match la semaine prochaine. Du coup, bah, vous allez voir très rapidement parce que là, il n'y a pas grand chose à montrer pendant cette semaine. Il y a l'autre match de Red Bull qui sera un peu aussi. Là, vous allez voir, ça va être en speed. Hein. Là, ça va être tous les jours des entraînements. Il n'y aura pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Voilà, donc je vous mets les dernières images du reste. Et ciao, ciao. Salut tout le monde. On est sur le jour deuxième journée des Red Bull. J'ai pas encore le premier jour, mais là je vais reprendre un peu. C'est un tournoi que j'y stream qui est disponible en VOD. On va faire aussi une vidéo YouTube qui devrait soit arriver avant ou après ce vlog, je sais pas du tout. Normalement, il a dû arriver juste avant ce vlog. Normalement, hier on a fait deux matchs, on a perdu un, on en a gagné un, et là on a gagné nos deux premiers matchs. Aujourd'hui, il nous reste deux matchs. Si on gagnait deux matchs, on est qualif pour les playoffs. Donc là, on commence sur le troisième match. Et c'est la fin du vlog les amis, on est en train de tout ranger, la moitié est partie déjà. J'espère que ça vous a plu, c'était un petit vlog vraiment vite fait, comme ça à l'arrache. Je vous ai juste mis des petites images, droite à gauche. D'ailleurs on a fini là ce soir 1-1 contre Desire, vous avez sûrement vu. Une map terrible qu'on a fait sur Pearl et on a plutôt bien joué Pearl comme on avait fait aussi sur Red Bull. Le fin de bootcamp, milieu fin de bootcamp, j'ai fait beaucoup moins de records parce qu'il y a eu la maladie, genre j'étais malade, j'avais pas de voix, donc ça servait à rien. Donc voilà, prochain vlog les amis, ça sera à Lyon pour la Lyon eSport et je vous dis à la prochaine. Des bisous.